C'est quoi le plus touchant qu'un viewer ait fait? J'en ai tellement, les gars. Je me suis tellement fait d'amis IRL avec le stream que... J'ai des viewers qui sont venus du bout du monde pour venir à mon anniversaire chez moi avec une surprise et tout. Enfin, c'est inédit, quoi. Avec des cadeaux dans tous les sens, des bienveillances dans tous les sens. C'est les meilleurs moments de ma carrière Twitch. Aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine de potes que je connais du stream qui sont des amis IRL. Alors certes, on n'habite pas à côté, mais quand on se voit, c'est banger, quoi. Genre, vrai, vous imaginez pas, genre, vous pouvez pas imaginer, c'est impossible. Genre, les gars, ils venaient du Nord-Pas-de-Calais et tout, genre, de partout du... Il y en a un frérot, il est venu de Suisse, mec, c'est normal ou pas, genre. Mais bon, après, voilà, je suis ultra content de la commu que j'ai, quoi. Je la changerai pour rien au monde. Ouais, petite game de ringer. Un petit leak de mon projet. Non, non, impossible. Normalement, si je dis pas de bêtises, on fait le teasing ce week-end. Si tout est en règle, vous avez toutes les informations ce week-end. Est-ce que ça me touche les rencontres avec les viewers? Ben oui. Tu pourras demander à Port Aventura, tous les jeunes qui sont venus me prendre des photos pendant mes vacances. Je pense avoir pris du temps pour leur parler et ça me fait toujours, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand je vois parce que ben, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui aime ce que je fais, quoi. Des sbires sont apparus. Il y a une date annoncée du coup ce week-end pour le projet. Normalement, ça sort ce week-end, ouais. Un teasing. Normalement, vous avez toutes les infos ce week-end. Normalement. Le vrai chasseur ne se repose pas. Allez, je me focus sur la game. Ouais, j'en ai, Nezix. Allez, je me focus sur Rengar. Normalement, j'ai un bon midlaner. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi je commence top, c'est que j'ai aucun intérêt à gank un Gnar. Surtout qu'au bot c'est une Vayne, donc ça se gank assez facilement. Surtout que j'ai Rakan. Ok, on est très très bien sur le pool. J'ai pas trop envie d'invade une belle veste. C'est tellement résistant avec son E. Après si elle met du temps... Je vais pas la payer au bot. En vrai... Elle est en train de faire les deux camps en même temps. Je peux pas mieux jouer là. Ok. En vrai j'ai bien joué là mécaniquement, ça fait plaisir. Vous aimez bien me voir jouer Ringer? C'est un perso que je joue beaucoup en ce moment. C'est très agressif, c'est tellement dynamique je trouve en stream, c'est trop bien ça. Ok, c'est bien ça. Je sais pas si t'imagines, mais j'ai fait flash toute la map là depuis tout à l'heure. Est-ce que je joue à LoL hors stream? Pas trop. Par contre, je vais commencer à jouer hors stream parce que j'ai envie de monter mon compte hors stream
pour voir si les games ils sont un peu plus sympas quoi. Là je peux pas gank top, la belle veste est sûrement derrière. Jouer Kindred, alors vraiment s'il y a un perso que je jouerai jamais c'est Kindred poulet, je suis vraiment éclaté sur les distances. Va voir Manati, va voir d'autres junglers. Ah là tu cours Aku. Ah, en vrai vous voulez que... Aku, est-ce que tu veux que je te fasse rire après la game? Si c'est le cas tu me le dis et après la game tu me le rappelles, parce que j'ai oublié. Ça va, je te... Rappelle le mot après la game. Essaye d'être réactif par rapport à ce qu'on voit sur la map, c'est cool. J'ai tempo mon Z pour tempo son burst. Et en même temps je chope le Drake. Parce qu'il avait jamais les dégâts pour... le double route. J'ai pas touché le Bola, sa mère. Je tue le Alistar là. Un ennemi a été tué. Je savais qu'il allait faire ça. Ok. Il y a mon double veste, elle est top. Merci, ça fait plaisir en tourner. Et j'ai 4 stacks. Il fait ça. Il forme. Le vrai ne se repousse pas. Ralenti. En fait, là, vu que ça va se passer bot, voilà. En fait, ce que je voulais faire, c'était back pour être au timing au bot, mais ils se sont déjà dévoilés. Elle a pas fait mon raid vu qu'elle a pas le raid sur elle. Ok, pas mal.
On l'a mis en même temps, Verrakan. Je pense que BFS est encore là. Ah, c'est bizarre. Ah, fais chier. En fait, avec la musique, j'entendais pas le son. Je savais pas combien elle était au niveau du bac. Casse les couilles, tu vois. Ça aide pas, ça. Let's go, premier tour. Et ouais, quand t'as la musique, t'entends pas le son, frère du bac, ça rend fou, genre. Niveau stuff, on est pas trop mal. Ils ont perdu sur ça, dommage. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Je vais choper la veine qui va arriver. Urja! Merci Deckviper pour les 6 mois, merci beaucoup. Il est bientôt on point, mon Rengar, bientôt on point, les gars. Gold, let's go. Voilà, je commence à avoir pas mal de dégâts, les gars. Et pour ceux qui veulent des vidéos, les gars, vous en avez plein sur YouTube. Point d'exclamation YouTube pour la chaîne principale, point d'exclamation YouTube 2, si vous voulez la chaîne secondaire où il y a très peu de... Enfin, il n'y a pas de cut. Pour apprendre à jouer le champion, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur Rengar, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur la YouTube Stratosphère. Merci Daki pour les 3 mois. Ça va fight au mid, j'ai vu le fizz. C'est deux routes à la sortie, mais la fâche. Ah, my bad. D'ailleurs, Sixen, je viens de YouTube et j'aime beaucoup ton contenu et ta personnalité. Bah, ça fait plaisir, Shinx. Ravi de te découvrir. Niveau rune, enfin niveau stuff, on va faire le... En vrai, contre Manteau de la Nuit, ça peut être pas mal, mais j'ai vraiment envie de vous montrer les dégâts colossaux de, du Dominique. Il y a moyen de bien rigoler, genre. Salut l'OVNI, merci beaucoup. Il vient d'où ton pseudo Sixen? J'avais 16 ans, je me suis appelé Sixteen. Après, c'était la mode où tu mettais des chiffres dans les pseudos, du coup j'ai remplacé Sixteen. SIX6N, c'était à l'époque où t'avais des joueurs de CSS qui avaient des pseudos en 3 lettres, du coup j'ai raccourci. Et après, quand c'est devenu les pseudos conventionnels, j'ai remplacé le 6 avec une lettre, voilà. Si tu veux tout savoir,
GG. Eh ben il ira sur la chaîne YouTube secondaire, celle-là. Ben ça fait plaisir, Canard. Je vais essayer de le recontacter pour voir s'il a des dispos. Ça me manque un peu, les Game Fun. Ça va, bon, on aura fait une win, une lose sur le Smurf et on aura fait deux victoires sur le main. Ben, en vrai, très content de mon niveau actuellement. Et encore que je reviens de vacances, donc il faut que je me rechauffe un peu. Merci, le roi des melons, pour les 9 mois. Merci beaucoup pour le soutien. Et du coup, voilà, YouTube, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous aimez Rengar. Et voilà, abonnez-vous. On se dit à demain, peut-être pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, et peut-être à bientôt en live aussi. Bisous.